La Méhari de chez Citroën, modèle mythique, et bien que cette voiture soit culte, jeune et tendance, c'est tout le contraire de l'état de son moteur. Nos experts ont travaillé d'arrache-pied pour démonter le moteur et le trier. Avant de commencer les réparations, il faut débuter par la base, le nettoyage, histoire de travailler sur des pièces propres. Pour retaper le vieux treillis, une simple ponceuse suffit. Travailler sur des pièces propres, c'est important. Il faut les nettoyer, les dégraisser, les dérouiller. Nos experts essaient de rendre les pièces quasiment neuves avant de les remonter. Une fois le treillis décapé, notre expert applique un phosphatant, un anti-rouille très efficace lorsqu'un bolide dort dehors. De son côté, son acolyte démonte le moteur à la recherche de la moindre saleté. Pire qu'une tondeuse à gazon, il est rempli de paille. Le but est de tout nettoyer et tout décaper. Il est impossible de rouler avec autant de saleté dans le moteur, on risque la surchauffe. Pour un bon nettoyage du moteur, notre expert applique un super dégraissant qui fera le job. C'est un produit qui décape notamment la peinture et la graisse. Maintenant que toutes les pièces sont propres, on va pouvoir tout assembler, faire fonctionner la voiture et repartir sur les petites routes de campagne.